à Gonmen. C'est ici, à quelques kilomètres de cette voie, qu'a sonné le sixième glas de la parole, en fait, de la parole comme à l'ancienne, ou devrais-je dire, du festin à Djou comme à l'ancienne. C'est l'Afrique que nous sommes, c'est l'Afrique que nous partageons avec le monde, c'est l'Afrique que nous apportons au monde à travers la parole créatrice, à travers le Adjou. Le Adjou qui, comme à l'ancienne, depuis 6 années ici, eh bien, nous donne de la joie au cœur. Le Adjou qui, depuis 6 années, eh bien, nous fait vibrer. Le Adjou qui est donc le symbole de la parole créatrice, qui est une parole inductrice de transformation dans la vie humaine, qui est une parole inductrice de convivialité. C'est cette parole que nous prenons. C'est cela qui est notre moteur. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons encore une fois ici pour vibrer ensemble. Entamé depuis le 18 juin, avec l'arrivée des festivaliers venus de divers horizons, le lancement officiel s'est tenu dans la matinée du vendredi 19 juin avec un accueil particulier. Nous rassemble et nous plonge dans le monde. Peuple du monde entier, encore une fois, bienvenue au cœur du festin Adjou, comme à l'ancienne. Par 7 ans de pandémie du Covid-19, le village de Comte Adjoué ne s'est pas dérogé à la tradition. Cache-nez, dispositif de lavage des mains à l'eau et au savon, le respect des gestes barrières ont été les seuls tickets d'accès au festival. L'édition 6 du festin Adjou comme à l'ancienne a été lancée par le Baobab Fidel Anato, le promoteur du festival. L'année dernière, nous avions eu la 5e édition ici, le festin d'or, grâce à la coopération suisse, que je profite pour remercier une fois de plus parce que c'est eux qui nous ont permis d'atteindre notre rêve. De faire une veillée de conte, de faire une veillée folklorique, de faire les choses comme nous aimerions les faire. Et nous continuons d'espérer qu'ils vont continuer à nous soutenir. Nous remercions le gouvernement béninois, nous remercions le gouvernement belge, nous remercions la Fédération Wallonie de Bruxelles Internationale, nous remercions nos partenaires, le Théâtre de la Parole de Bruxelles, nous remercions le ministère en charge de la culture du Bénin, nous remercions tous nos partenaires que nous ne pouvons pas citer. Eh bien, à tout à l'heure, bon festin à vous. Je vous prie de vous amuser de maintenant jusqu'à dimanche 14h. Veuillez vous amuser, parce que c'est de, c'est de cette convivialité, de cette joie que nous avons besoin après ce vicieux virus de Corona. Si la Covid-19 a créé une distanciation sociale, elle n'a en rien émoussé l'ardeur culturelle des artistes. En témoigne la diversité et la richesse des prestations artistiques qui ont meublé le lancement. FIFA!
un héritier. Héritier tant cherché par Sa Majesté et Dada Zoumabé. Sochoy Do, le prince héritier, a été pour cette première journée le clou des spectacles. De la sacralité du rythme Satan pour en venir à la royauté par le rythme Kotoja, en passant par celui du Rungan, le rythme de la guerre, la troupe puissance Rwendo de Boykon a tenu en haleine pendant plus de 120 minutes le public venu au festival qui en a été presque hypnotisé. Cette journée s'est achevée par une projection cinématographique du film documentaire sur la tournée du spectacle Le Grand Abégaillé, réalisé dans le cadre du projet Culture en partage, lieu sûr en Afrique. Chorin, Choré Rio. C'est cet art martial qui a ouvert les hostilités de la journée par une démonstration offerte par le dojo d'Adjurwe sous la supervision du maître Toussaint Chibozo. La journée s'est poursuivie avec le dernier débat thématique des quatre qui était prévu pour Cupalis Afrique. Il a été modéré par Fidel Anator, Tony Nyambodé, Fiacre Anator et Abalo Kokou Mendagbe sur l'importance du réseautage et le rôle dans le développement culturel, local et national. Aujourd'hui, si moi je me lève, j'ai besoin d'un million, bien de 2 millions, bien de 5 millions, c'est difficile de l'avoir. Alors que si j'appartenais à un réseau, si j'ai besoin d'un milliard aujourd'hui, je l'aurai. C'est le réseau qui le fait. Un seul individu ne peut pas fonctionner et évoluer seul et réussir. C'est compliqué, c'est difficile de nos jours. Il s'en est suivi la formation sur le renforcement des techniques du dit des comptes et le mixage avec la musique sous la direction de Massim Zoufan. Au clair de la lune, sous les feux des projecteurs et autour du feu, les conteurs entourés du public distillent de la parole contée, accompagnés par des musiciens bontains. C'est le conte comme à l'ancienne. Chers enfants,
pris individuellement, vous avez pu briser vos bâtons, quoique très gros. Mais il a fallu qu'on les réunisse en un fagot et la tâche vous a été impossible. Voyons voir. Mettez-vous ensemble comme vous le faites si bien dans votre coopérative de chasse, qui, des années durant, a nourri tout notre village et fait notre fierté dans le conseil des villages de la contrée. Et brisez-moi le fameux fagot. Toute la foule s'écrie en chœur. Union! 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 Les trois enfants chenilles se sont mis ensemble, se sont concertés quelques tierces de seconde, se sont approchés en trio du fagot trio de bois. Sous les incantations de Toto Blain, le guérisseur miraculeux, Domenou, l'enfant volant voltige et revient en direction de Nuku Zizi qui passe son coup de poing, atteint le bois à creux et le brise avant que les deux autres ne retombent avec le fagot résiduel qui se brise en mille morceaux. Toujours sous les incantations nourries de Toto Blain, le guérisseur miraculeux. La foule se lève et les applaudit à se rompre les mains. Des youyou et des louanges fusent de toutes parts. Le chef fait signe à l'un de ses griots qui entonne. Sauterelle! Sauterelle? Sauterelle a-t-on d'ailleurs fini par l'appeler. Un jour, pendant que sa mère s'affairait à laver ses habits qu'il a salis à force de courir dans les prairies, Sauterelle s'approche et dit: Yéké! Voilà. Dernier à la tâche, mais toujours premier à vouloir manger. Apprends que moi j'ai besoin d'être au repos pour affûter mes inspirations. Tanaye, tu sais, j'ai un autre don caché. Apprends que je suis un astrologue, augure, maître à deviner. Par exemple, sans y voir, je peux te dire que tu te prépares à laver exactement 4 habits. Deux pailles et un jupon. La mère en est restée totalement médusée. L'après-midi même, tout le monde était au courant de l'affaire. Ah oui. Les femmes aux lèvres volubiles la portaient dans le coin de leurs lèvres. Les oiseaux qui volaient l'emportaient au bout de leur bec. Même le vent qui soufflait l'emportait dans ses flots. Tout le monde tenait Sauterelle pour un devin confirmé. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume est en ceux qui savent suivre les traces de mon fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute, Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Ce pas consiste à boire le vaudon ensemble. Le lion a été invité à prêter serment le premier. Le lion dicta. Pour moi, deux animaux ne doivent pas se battre en ma présence. Si la chose se produit, je les dévorerai tous les deux simplement. La panthère dicta. Du sable ne doit jamais tomber sous mon pelage. Si quelqu'un me lance du sable, ce sera la bagarre. Le renard expliqua sa règle. C'était de ne jamais le montrer du doigt. Si quelqu'un le montre du doigt, la brousse serait simplement détruite. Le serpent n'a pas de retrait difficile à appliquer. On ne doit pas l'enjamber. Si on l'enjambe, c'est la guerre au bénin. Les gens commençaient par rire. On dit oui. On dit, chance te plaît, notre loin. Toi aussi, tu veux avoir Sika, la fille du roi, n'est-ce pas? Oh. On dit, voyons. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers passagers à bord, aujourd'hui le train compteur va vous amener dans un village, une campagne dans laquelle vit Dassino, une vieille d'un certain âge. Elle habitait seule dans sa maison. Il va falloir que tu me veilles et me dorlotes pendant 7 autres jours successifs pour que je retrouve mon apparence. Tout bas obtempère. Malheureusement, au milieu du 4e jour, son explorer génius lui revient. Oh, yeah.
Ainsi donc, nous sommes tous impliqués dans ce voyage qu'on appelle la vie. Ayons du cœur, le mal qu'on croit dédié à une catégorie de personnes guette en réalité tout le monde. Et peut-être même plus ceux qu'on croit les moins en danger. Prenons-en de la graine. Dans une grosse marmite, le haricot communément appelé abobo a été partagé à tous les festivaliers. C'est le symbole d'une communion autour du Adjou, c'est-à-dire le conte. Adjoussis s'est achevé dans la matinée du 21 juin par une séance de débriefing avec Fidel Anator et l'ensemble des festivaliers. Avant, quand on fait des travaux de création, des commandes, l'inspiration nous amène à créer des chansons, mais pas autant que maintenant. Parce que à chaque fois quand je prends un compte, je me dis déjà où je peux insérer une chanson, où est-ce, par quelle chanson je peux commencer et tout ça. Parce que il faut donner un rythme, il faut que ça ait de l'ambiance, il faut que même la chanson que tu chantes ait un rapport avec le compte. Si la COVID-19 a fait des ravages dans le monde et impacté négativement la plupart des gens, ici à Adjoué, le verre a été vu à moitié plein. C'est d'ailleurs avec un sourire aux lèvres que Fidel Anator, le promoteur de ce festin, lui a témoigné toute sa gratitude. Le coronavirus a fait que désormais nous avons notre site internet et aussi nous avons la page Facebook qui fonctionne correctement, qui a été aussi boostée par ailleurs. Il est vrai que c'est prévu dans le projet, mais le coronavirus a accéléré le processus. En même temps, retardé le festival, mais a accéléré le processus de notre mise sur les orbites. Donc c'est un grand merci que nous disons à Corona. Le festin Adjou comme à l'ancienne a donc été retransmis en ligne sur la page Facebook Adjoué. Et déjà, sa clôture marque la fin des activités du projet Culture en partage lieu sûr en Afrique qui a financé cette 6e édition de Adjou comme à l'ancienne et la 17e édition du Fitélicom. C'était bien, c'était trop cool, moi j'ai aimé. C'était pour la première fois que j'ai participé à ce genre de truc et c'était vraiment génial. Je prie Dieu pour que à la prochaine édition, les prestations soient plus spectaculaires que celle-ci. Ce festival, vraiment, c'était du bon. On ne s'attendait pas du tout à ça. À cause du coronavirus, on a dû reporter ça au 19 et au 21. Et je tiens à dire un grand bravo à M. Fidel qui a ménagé tous les efforts possibles pour que ce festival ait lieu. C'est vraiment un festin à l'ancienne. Et on a fêté, on s'est régalé. Il y a eu beaucoup de rencontres, des gens que je ne connaissais pas, des gens que je connais, que j'ai revus. Et on a participé à beaucoup d'activités, particulièrement l'activité sur le réseautage, la nécessité de se mettre en réseau. Donc c'est vraiment un point très particulier qui m'a touché. Et des questions auxquelles je cherchais des réponses ont trouvé leur solution.
Je suis très heureuse et très émue parce que pour la réalisation de ce festin, ce n'était pas évident. Mais par la grâce de Dieu, on l'a fait. Et comme on le dit, tout commence bien et tout finit bien. Nous étions aussi stressés quant au respect des mesures. Quant au respect des mesures sanitaires, vu la période de pandémie que nous sommes en train de traverser. Et pour cela, nous avons remarqué que la population a compris que la pandémie existe et sévit actuellement. Donc la majorité est venue déjà avec son masque. Et la population a également compris qu'il fallait respecter la distanciation. Et elles ont totalement compris le dispositif que nous avons mis en place pour le respect de ces mesures sanitaires. Ce qui nous a permis de chasser ou de voir fuir ce stress que nous avions. Donc les impressions ne peuvent être que bonnes quand on a ces résultats après ces grands moments de stress. Un adage peut le dire que lorsque vous rentrez dans une maison, il faut remercier la porte. C'est donc un grand merci à tous les partenaires. Nous profitons aussi pour dire un grand merci à tous les partenaires. Un merci à l'Union européenne, à Culture at Work Africa. Nous profitons aussi pour dire merci au programme d'appui à la justice parce que indirectement, ce programme apporté à notre festival parce que ça fait partie des choses qui ont mis en place un certain nombre de dispositifs qui ont contribué au festival de manière indirecte. Nous disons merci à la Fédération Wallonie Bruxelles Internationale qui nous soutient par rapport à l'art dans l'art, qui aussi nous a permis d'avoir un certain nombre de dispositifs dans la maison qui nous ont permis de tenir au mieux la 6e édition du festival à Djou, comme à l'ancienne, qui est devenue festin à Djou, comme à l'ancienne, et qui est désormais donc festin. Donc, rendez-vous est donc pris pour la 7e édition du festin à Djou comme à l'ancienne. Avec un public grandement satisfait tant en ligne que sur place, à Djou 6 est désormais conjugué au passé et le rendez-vous est pris pour la 7e édition.